À l'ère des réseaux sociaux et de la disponibilité en continu du contenu, de la bande passante, de Netflix, il est évident que le contrôle de l'utilisation des technologies d'information, notamment des médias sociaux, est de plus en plus importante, que ce soit sur les lieux du travail classiques, comme on les connaissait, j'oserais dire, pré-pandémie, ou que ce soit maintenant dans un contexte de télétravail. Avant de commencer la présentation, quelques petites statistiques, ne serait-ce que pour se mettre un peu en contexte. Statistique Canada 2021 nous indiquait que 90 % des personnes de 15 à 35 ans utilisent régulièrement des sites ou des applications de réseaux sociaux. Pour les 35-49 ans, on parle de 84 % des gens, encore une fois, qui affirment utiliser régulièrement les sites ou les applications de réseaux sociaux, et 68 % des 50 à 64 ans. On parle donc d'un bassin de main-d'œuvre qui, sur une base quotidienne, utilise régulièrement les réseaux sociaux. Une autre statistique intéressante, 2021 Statista, les Canadiens passent en moyenne 1h46 par jour sur les réseaux sociaux. Donc, on parle quand même là, de presque 2 heures par jour. Évidemment, on ne sait pas est-ce que c'est pendant les heures de travail ou après, mais ça vous donne une idée du temps utilisé. Statistique qui est, je vous le dirais, désuète, mais c'était la seule qu'on a réussi à identifier d'une ressource fiable. Deloitte, États-Unis, 2009, une statistique à l'effet que 25 % des employés iraient sur les sites des médias sociaux pendant leurs heures de travail. Business Insider 2019, Netflix, un utilisateur passerait environ 2 heures par jour en moyenne devant Netflix. Si on joint Netflix et 2 heures par jour et on joint le 1h46 de recours aux médias sociaux par jour, on est quand même à près de 4 heures quotidiennes devant l'écran. Statistique Canada encore 2021, puis là, je vous parle un petit peu plus de la perspective des télétravailleurs parce que on se fait souvent demander, écoutez, comment je peux gérer ce qui est fait à la maison, comment je sais que mon employé n'est pas en train de regarder un film, être sur les médias sociaux plutôt que de travailler. Et on a vu Statistique Canada qui a fait un sondage et où les répondants se sont déclarés à 90 % au moins productifs, pardonnez-moi, à la maison. Donc, de leur auto-évaluation, définitivement, ils ne passent pas trop de temps sur les réseaux sociaux. La moitié, donc un peu plus de la moitié, excusez-moi, 58 % ont déclaré qu'ils accomplissaient à peu près la même quantité de travail par heure de travail. Et finalement, 32 % ont déclaré accomplir encore plus de travail par heure en travaillant à la maison. Donc, dans ce contexte-là global, qu'est-ce qu'il en est en pratique et surtout comment on peut le gérer? Les deux situations principales dont j'aborderai aujourd'hui avec vous sont la question du vol de temps, parce que c'est une préoccupation qui est très présente chez les employeurs, chez les entreprises, en lien avec le recours aux médias sociaux ou tout autre site Internet. Donc ça, c'est un des aspects, une des perspectives qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et l'autre partie vise aussi les commentaires qui vont être faits sur les réseaux sociaux. On voit de plus en plus, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, etc., des employés qui vont critiquer assez vertement leur employeur, leur gestionnaire. Et sur une base régulière, on se fait questionner sur quel est l'étendue du pouvoir de l'employeur à cet égard-là. Évidemment, tout ça vient aussi mettre en cause, et on va le regarder dans le cadre de la présentation aujourd'hui, le droit de surveillance de l'employeur, parce qu'il y a la question des situations de délation. Donc, quelqu'un nous informe qu'un employé passe du temps sur Internet, quelqu'un nous informe, fait une photo, une impression d'un commentaire désobligeant sur Internet. Mais il y a aussi la question de la surveillance de ce qui est effectué pour venir, évidemment, encadrer et mieux contrôler le recours aux médias sociaux. Donc, ce qu'on regarde ensemble, on va regarder le cadre juridique qui s'applique dans les situations que je viens de décrire, hein, les droits de l'employeur, les droits de l'employé. On va regarder ensemble aussi des exemples concrets
qui ont été analysées en jurisprudence et les décisions qui ont été rendues par les arbitres ou autres instances. Finalement, on va regarder au terme de la présentation la question de la surveillance et la question conseil pratique de la politique de l'entreprise. Droits et obligations des employeurs dans un contexte comme celui dont on discute aujourd'hui, évidemment, l'encadrement du recours aux technologies de l'information, de l'utilisation des médias sociaux des employés fait intervenir divers droits de l'employeur qu'on a à l'écran devant nous aujourd'hui, le droit à l'image, à la réputation, le droit de gestion et évidemment le droit d'exiger que les employés fournissent une prestation de travail. On parle du droit à l'image et de la réputation, on va parler notamment de diffamation, c'est-à-dire qu'évidemment, si un employé, par exemple, sciemment tient des propos qu'il sait faux sur Internet, on est définitivement une situation de diffamation. Ce qu'il faut toutefois comprendre, c'est que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a le pendant du droit à l'image et à la réputation de l'employeur, mais il y a aussi, on va le regarder tout à l'heure, l'obligation de l'employé d'agir avec loyauté, d'agir avec discrétion. Ce qui fait en sorte que, je dirais que le principe pour l'employé, c'est le principe de précaution. Les critiques de l'employeur, évidemment, il y a certaines exceptions. Un employé peut faire de la délation lorsqu'il y a quelque chose d'épouvantable qui survient. Mais les critiques gratuites, l'employé devrait s'astreindre et ne pas y recourir. Autre élément ici, droit de gestion. Évidemment, l'employeur a le droit d'encadrer son personnel, d'encadrer le rendement du personnel. Puis c'est évident que si je passe 2 heures par jour sur Twitter, je ne suis pas en train de fournir un rendement satisfaisant et possiblement que les tâches que je fais ne sont pas accomplies ou encore qu'elles le sont mal. Gestion du temps est un corollaire également. Et par ailleurs, le droit de gestion implique le droit de discipliner lorsque l'employé, malheureusement, ne respecte pas les règles qui sont établies. Et on a le droit d'exiger une prestation de travail. Vous allez me dire, c'est comme un peu une vérité de la palisse. L'employeur paie son salarié pour sa prestation de travail, évidemment pas pour qu'il soit sur Facebook au bureau, à moins que ce soit exactement dans le cadre de ses fonctions, mais on s'entend, c'est assez rare. Maintenant, d'un côté, on a les droits de l'employeur, mais on a aussi les droits de l'employé. Et on va voir dans les décisions qu'on va regarder tout à l'heure ensemble, les exemples concrets. Certains employés évoquaient leur vie privée comme étant un motif ou enfin un empêchement de l'employeur de venir regarder ce qui se fait sur Facebook. On va aussi invoquer la notion de conditions de travail juste. On va aussi invoquer la notion de liberté d'expression. Le droit au respect de la vie privée, on a l'article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, mais on a aussi le Code civil qui prévoit certains aspects. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la jurisprudence des dernières années est venue dire, un instant, si tu publies quelque chose sur Facebook, ton droit à la vie privée existe plus ou moins. En fait, je vous dirais qu'il existe beaucoup moins que plus. Pourquoi? Au début, la jurisprudence regardait, est-ce que cet employé-là a beaucoup d'amis? Est-ce qu'on parle de quelqu'un qui a 3 amis, donc il y a juste 3 personnes qui ont accès à son Facebook, auquel cas il peut peut-être penser qu'il y a un petit aspect de vie privée, ou est-ce que c'est un employé qui a 600 amis sur sa page Facebook? Et plus on avait d'amis, plus on disait qu'il n'y avait à peu près pas de droit à la vie privée dans ce qui était publié, et que si quelqu'un en faisait une impression d'écran, ce n'était pas une violation des droits à la vie privée de la personne. Je vous dirais que de plus en plus, les tribunaux viennent dire, écoutez, si tu publies quelque chose sur un média social, que ce soit Twitter ou autre, à quelque part, de ce fait, tu renonces en quelque sorte à tout caractère privé de ta publication parce que par la nature même de ta publication, tu ne contrôles plus tout, à qui elle est accessible, etc. Et donc, tu ne devrais pas pouvoir brandir le droit à la vie privée pour, par exemple, indiquer que tu peux bien écrire ce que tu veux sur ton Facebook ou encore que l'employeur ne peut pas mettre en preuve ce que tu as écrit sur ton Facebook parce que ça ne le concerne pas. Le droit à des conditions de travail justes et raisonnables, c'est un concept qui est surtout invoqué dans le cadre de la surveillance qui est faite des employés et du recours qu'ils ont aux médias sociaux, à Internet, etc. Ce qu'on va regarder tout à l'heure ensemble, c'est qu'il y a un parallèle à faire avec la surveillance vidéo.
essentiellement, l'article 46 a beaucoup été invoqué lorsqu'on avait de la surveillance vidéo constante de un ou plusieurs employés et qu'on est en continu dans la surveillance. Et là, ben, il y a notamment une décision spécifique qui est sortie, qui est malheureusement en révision judiciaire, mais qui nous donne un indice de jusqu'à quel point cet article-là vient s'appliquer lorsqu'on parle de logiciel de contrôle de l'usage d'Internet, logiciel de contrôle de l'usage des médias sociaux. Finalement, dernier droit, dans les principaux droits là, qui sont du côté de l'employé, le droit à la liberté d'expression. Les employés vont souvent dire, ben écoute, moi, j'ai le droit de prendre une position X, je la prends sur un média social qui ne vous concerne pas, puis je peux bien dire ce que je veux. Encore une fois, c'est ma vie privée, mais outre ma vie privée, j'ai le droit à mes opinions, j'ai le droit à ma liberté d'expression. Ce qu'on va regarder ensemble tout à l'heure, c'est qu'évidemment, il y a une limite à cette liberté d'expression-là de la part des employés. En outre, il faut rappeler que les employés ont des obligations aussi. On a le devoir d'obéissance, mais on a surtout, pour moi, dans le contexte de ce dont on discute aujourd'hui, le devoir de prudence, de diligence, de loyauté, et loyauté inclut honnêteté et de discrétion. Et ce que le droit ou les obligations des employés qui découlent de l'obligation de loyauté, c'est entre autres de ne pas poser de gestes ou de ne pas tenir de propos qui sont nuisibles à l'employeur, évidemment, sous réserve d'exception. Parce qu'on pourrait me dire, ben écoute, Maude, si l'employeur commet de la fraude ou etc., est-ce qu'on pourrait parler des whistleblowers? C'est tout un autre pan de discussion. Mais si on enlève ces circonstances-là, l'employé a une obligation de s'assurer de ne pas tenir des propos ou de ne pas poser de gestes qui sont susceptibles de nuire à l'employeur, à sa réputation, etc. On a aussi des obligations contractuelles additionnelles. On va voir, par exemple, des clauses de confidentialité, des ententes de confidentialité. Ça tombe sous le sens, mais il arrive que des employés vont communiquer sur Internet, sur les réseaux sociaux, des informations qui sont confidentielles. Donc, encore une fois, contravention à leur obligation, qu'elle soit contractuelle ou même l'obligation de loyauté, inclut le fait que l'employé ne peut pas divulguer de l'information confidentielle. Maintenant, prenons le temps de regarder des mises en situation. Première mise en situation qui nous parle un peu davantage là, du vol de temps. Mise en situation 1, après une enquête, donc vous faites enquête, vous réalisez qu'une de vos employées, qui est une conseillère en communication, pouvait consacrer environ, selon vous, 50 % de son temps de travail à naviguer sur Internet, en plus du fait que 60 % du contenu de sa boîte de courriel n'était pas relié à son travail. Vous faites quoi? Est-ce que vous pouvez imposer une mesure disciplinaire? Est-ce que vous en imposez une? Et si oui, qu'est-ce que vous devriez tenir en compte dans l'évaluation de la mesure appropriée? Je vous donne quelques indices. Est-ce qu'il y a une politique dans l'entreprise qui encadre le recours aux technologies de l'information, aux médias sociaux? Est-ce que cette politique-là est appliquée? Puis, encore une fois, ça a l'air bien, bien simple, mais je suis convaincue que ça vous est tous arrivé. On a souvent des politiques qui, malheureusement, prévoient X et qui ne sont pas appliquées, qui sont appliquées avec, je vous dirais, laxisme ou de manière permissive. Ça dépend aussi du contenu de la politique. Puis, je vous le recommande d'emblée, puis on en reparlera plus tard, mais les politiques qui disent, là, il est interdit d'utiliser, d'aller sur Internet au travail. À moins que vous ayez les moyens de vos ambitions, donc à moins que vous ayez la possibilité de le contrôler, de l'interdire, puis que vous allez le faire, bien évidemment, c'est peut-être une position qui est à l'extrême. C'est pas très alléchant pour attirer puis retenir de la main-d'œuvre, d'une part, mais surtout, c'est que vous ne pourrez pas le mettre en œuvre, vous ne pourrez pas vous assurer que c'est respecté. Et on a aussi beaucoup vu en jurisprudence un parallèle qui vient dire, bien écoutez, il n'est pas interdit à quelqu'un de prendre le téléphone puis d'appeler son conjoint 2 minutes pour dire, ben écoute, peux-tu faire ci, peux-tu faire ça, puis merci, au revoir, et vice-versa. Ben il n'est pas nécessairement interdit non plus de prendre 3 minutes pour aller regarder un élément sur Internet. Donc, tout est dans la mesure, et autant la politique est une très bonne idée, et en fait, on devrait, toutes nos entreprises devraient en avoir une, autant son contenu est important, et l'interdiction pure et dure est souvent
plus négative que pas parce qu'on ne s'assurera pas au quotidien de son respect et ça va pouvoir nous être opposé par la suite. Autre élément à tenir compte, est-ce que la preuve que j'ai recueillie est fiable? Donc, est-ce que mon évaluation du temps fait du sens, du temps consacré par l'employé ou des sites qui ont été regardés, est-ce que c'est fiable ou est-ce que ça peut être contredit? Et si oui, ben, quelle est la portion qui peut être contredite? Puis quelle est la portion qui est certaine, 100% blindée? Autre élément que vous devriez considérer, toujours dans cette situation 1, la nature des tâches de l'employé. Ici, on avait une conseillère en communication. Évidemment, si dans le cadre de mon emploi, il est normal, il fait partie de mes tâches, de naviguer sur Internet, faire une certaine vigie des propos qui sont mentionnés sur l'entreprise, par exemple, bien, on ne peut pas par la suite reprocher à l'employé de faire son travail. Dans la nature des tâches aussi, on va regarder l'autonomie de l'employé. C'est-à-dire que, évidemment, l'employé qui est en télétravail, qui fonctionne avec un ordinateur et Internet à longueur de journée, et qui n'a évidemment pas, et c'est le cas d'à peu près tous les employés dans ces situations-là, qui n'a pas un gestionnaire qui est constamment en train de vérifier ce qu'il fait, bien, c'est un employé qui a beaucoup d'autonomie, puis on va s'attendre à ce qu'il agisse conformément à ses obligations, à ce qu'il ne vole pas de temps, évidemment. On va regarder aussi le dossier de l'employé, l'ancienneté, etc. Maintenant, dans cette situation spécifique-là, on parle d'une décision qui impliquait la ville. Alors, nous sommes de retour. Nous avons retrouvé la connexion avec Maître Grenier. Alors, je vous cède la parole. Vous pouvez poursuivre. Rebonjour, je suis désolée. Ne sachant pas exactement à partir de quand la connexion a été coupée, je resterai sur cette diapositive-là et pour la portion que je me répète, j'en suis désolée. J'irai quand même assez brièvement. Essentiellement, on avait regardé juste avant là, la situation d'une employée qui consacrer beaucoup de temps à naviguer sur Internet. Ce que je vous indiquais, c'est qu'essentiellement, la suspension qui a été imposée a été modifiée en suspension d'un mois. Les facteurs atténuants qui ont été considérés pour réduire la suspension étaient la présence d'un rapport qui n'était pas fiable. L'expert, évidemment, dans un contre-interrogatoire, avait été obligé d'admettre qu'il y avait des sites Internet qui, en réalité, étaient... C'était normal qu'ils étaient consultés dans le cadre de ces fonctions. La durée exacte de la consultation n'était pas exactement fiable non plus. Donc, c'est un élément qui a été considéré pour réduire la suspension. Par contre, l'arbitre a dit, bien, écoutez, il y a quand même une faute parce que l'employé a admis qu'elle allait fréquemment consulter Internet. Elle a admis aussi que plusieurs des sites qui étaient en cause n'étaient pas des sites qui étaient reliés à son travail, etc. Entre autres aussi raisons qui ont été considérées pour réduire la suspension, on a regardé la tolérance de la ville. Et c'est un des éléments dont je vous entretenais juste avant. Il y avait une tolérance de la ville quant à l'utilisation des technologies de l'information à des fins personnelles, malgré une politique claire qui concernait l'utilisation des technologies de l'information. Donc, je reviens avec le conseil. Si on a une politique et ça vaut la peine d'avoir une politique, il faut qu'elle soit appliquée, d'où l'importance d'aller intégrer un encadrement dans la politique qui soit raisonnable. Autre élément, bon, la travailleuse avait une ancienneté de 10 ans, un dossier disciplinaire vierge, et on avait aussi noté, c'est un élément particulier, l'absence d'incidence de la faute sur le rendement. Donc, de venir dire, bien, écoutez, oui, c'est pas correct, mais madame a quand même fourni un bon rendement de travail, donc il n'y a pas eu de conséquences trop graves. Par contre, et c'est l'élément que je mentionne dans le bas de la diapositive, La travailleuse dans cette affaire-là disait, bien, écoutez, moi, je ne trouve pas qu'il y a vraiment une faute parce que de toute façon, je n'avais pas grand-chose à faire. Fait que, tu sais, j'avais du temps libre, donc je n'ai pas volé de temps puisque j'avais du temps libre. Et ça, l'arbitre le rejette clairement et il indique non, ce n'est pas parce qu'un employé a du temps libre que ça lui permet essentiellement de faire autre chose et des activités personnelles. Ça ne rend pas une faute qui est par ailleurs un élément qui est par ailleurs une faute acceptable. Maintenant, deuxième situation que je regarde avec vous, le rendement de votre secrétaire est problématique. Vous la rencontrez, mais vous ne voyez pas d'amélioration là, malgré le fait que vous avez indiqué là, bon, ben, il y a cet élément-là, cet élément-là. Vous vous expliquez mal pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est un employé qui a un 5, un 6, un 7 ans d'ancienneté.
Vous constatez par contre que, quand vous vous approchez de son écran, elle va changer de page ou encore qu'elle va cesser tout de suite une conversation téléphonique. Vous prenez sur vous d'aller consulter la page Facebook qui est publique. Il y a certains employés qui vont bloquer les accès et évidemment qui donneront un accès uniquement aux amis. Il y a des employés dont la page est publique. Et vous constatez beaucoup d'activités, en bon chinois, beaucoup de posts, alors qu'elle est au travail. Et évidemment, pendant ses heures de travail et non pas pendant son heure de lunch. La question que je vous pose, c'est vous faites quoi dans une situation de la sorte? Est-ce que vous faites une enquête? Est-ce que vous rencontrez la travailleuse pour avoir sa version des faits? Est-ce que vous imposez immédiatement une mesure disciplinaire? Personnellement, ce que je vous recommande, c'est l'enquête. Maintenant, vous décidez de faire enquête. Vous faites notamment sortir l'historique des consultations Internet au poste de travail. Vous faites un chassé-croisé des heures de travail. Vous engagez même un expert. Et ultimement, avec le rapport qui est fait, vous réalisez que votre secrétaire réceptionniste, et on parle d'un rapport qui avait été extrêmement, dans cette affaire-là, conservateur, donc on avait mis moins de temps que plus, on estime que minimalement, on est à une heure par jour sur Internet à des fins personnelles, en dehors évidemment, là, des heures de pause ou des heures de repas. Quand vous rencontrez la travailleuse, elle vous indique qu'elle se sentait autorisée à naviguer sur Internet parce qu'elle n'a pas beaucoup de travail à faire, selon elle, mais en même temps, il est vrai là, qu'elle remet du travail en retard ou avec des erreurs. La question qui se pose, évidemment, que faites-vous à la lumière de tout ça? Eh bien, dans cette affaire-là, qui est une décision de 2021 qui implique la ville de Sherbrooke, la ville avait imposé un congédiement. Et ce congédiement-là a été maintenu. Le tribunal, en fait, l'arbitre va nous dire que les explications que la travailleuse avait fournies, c'est-à-dire qu'elle se sentait autorisée à naviguer sur Internet parce qu'elle n'avait pas beaucoup de choses à faire, c'était pas valable. D'autant plus qu'on avait la preuve qu'elle remettait du travail en retard puis du travail avec des erreurs. L'arbitre a aussi indiqué que l'ancienneté de 7 ans, l'absence de remords, la connaissance de la politique de l'entreprise, l'autonomie de l'employé, puis on ne parle pas d'un PDG, mais on parle d'une employée qui a un ordinateur devant elle, à qui on donne des tâches, puis à qui on s'attend qu'elle les fasse au cours de la journée sans constamment vérifier ce qu'elle fait. On a aussi regardé la quantité et l'importance du temps volé. On parlait de minimalement 5 heures par semaine sur plusieurs semaines, et qui ont autant été des facteurs là, qui ont été considérés comme aggravants, puis qui ont fait en sorte que l'arbitre a pris la décision de maintenir le congédiement. Donc, pour terminer cette première catégorie-là, qui est le vol de temps, petit rappel, je vous rappelle qu'en 2009, on a dit que 25 % des employés vont sur les médias sociaux pendant leurs heures de travail. On s'entend que dans les faits, en 2021, ce pourcentage-là est fort probablement bien supérieur. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut discipliner chaque employé qui va sur un réseau social ou qui regarde quelque chose sur Internet pendant ses heures de travail, ça ne ferait aucun sens. Par contre, et on revient avec cet élément-là, c'est l'abus qui doit être contrôlé et c'est l'abus qui doit faire l'objet, par ailleurs, de discipline. On parle des mesures disciplinaires, on a évidemment le spectre de l'avis de la suspension du congédiement selon la gravité des événements. Les décideurs vont considérer, comme on l'a vu, la politique claire, l'application de la politique, l'importance du vol. On avait l'adage, là, jadis, de qui vole un œuf, vole un bœuf pour indiquer que peu importe le montant ou la valeur de l'objet volé, ça demeurait un vol et ça devait être passible de congédiement. Je vous dirais qu'on n'est plus là et que l'importance du vol de temps va être considérée pour déterminer si la peine capitale ou pas doit être imposée. On va regarder évidemment aussi la répétitivité, l'autonomie du poste visé, les remords, etc. Bref, ce qu'on a regardé dans les dernières diapositives ensemble. Maintenant, l'autre catégorie, qui est l'atteinte à la réputation ou, je vous dirais, le manquement là, à l'obligation de loyauté. Donc, les propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux par un employé. Puis, évidemment à l'égard de l'employeur. On ne parle pas nécessairement de propos qui sont nécessairement publiés pendant les heures de travail. Ça peut très bien être des propos qui sont publiés en dehors des heures de travail, mais qui concernent l'employeur. Donc, cette mise en situation-là par rapport à cette catégorie 3, une employée dans une résidence pour personnes âgées publie des commentaires
comme je vous indique ici, mais il y en avait plusieurs, sur vous, sur vos gestionnaires, sur l'entreprise, sur Facebook. Et on voit là, avec les derniers événements, il a prouvé comment il est insensible, un intimidateur et j'en passe. Mon chum a le plus gros millionnaire comme boss ici, puis il fait tout pour ses employés, pour que ses employés, pardonnez-moi, soient heureux, bien payés et qu'ils aiment leur travail. Nous, ils font quoi? Pardonnez mon français, mais « fuck all, rien ». Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la dame. La question qui se pose, vous faites quoi? Est-ce que vous rencontrez l'employé? Est-ce que vous imposez une mesure? Et si vous imposez une mesure, est-ce que aussi vous lui demandez de retirer les propos qui sont là? C'est des questions qui nous sont fréquemment posées. Jusque où je peux aller? Est-ce que je peux exiger que le propos en cause soit retiré? Dans cette affaire-là, on avait imposé un congédiement. Et ce congédiement-là a été modifié en suspension, mais pas une courte suspension quand même, une suspension de 7 mois. L'arbitre va venir nous dire que les propos qui ont été tenus par l'employé dépassaient la liberté d'expression et contrevenaient à son obligation de loyauté. Essentiellement, les critiques acerbes, les véhémentes, donner n'importe quel synonyme qui visait les gestionnaires, puis qui laissait croire qu'il y avait un climat malsain qui était causé par les gestionnaires, étaient autant d'éléments qui étaient susceptibles d'affecter la réputation de la résidence et qui étaient une contravention à l'obligation de loyauté. L'employé aurait dû aller voir son employeur, pouvait aller indiquer qu'elle était en désaccord avec certaines pratiques, mais la publication de ces propos-là contrevenait à ses obligations. Le tribunal va nous dire que ce ne sont pas des publications qui sont personnelles ou privées. Elles deviennent publiques ou susceptibles de l'être lorsqu'elles sont affichées sur Facebook. Par contre, dans cette affaire-là, les remords sincères de l'employé, son dossier disciplinaire vierge dans les 6 dernières années, le retrait rapide des propos et l'absence de progression des sanctions, l'absence d'éléments antérieurs problématiques sont autant d'éléments qui ont été tenus compte pour diminuer à 7 mois. Ceci étant, on reste avec une preuve très claire d'une faute qui est reconnue par la jurisprudence lorsqu'un employé vient critiquer ouvertement, vertement l'employeur, ses gestionnaires sur un média, que ce soit Facebook, Twitter ou autre. Par ailleurs, la question de « est-ce que je demande de retirer les propos? » Ma recommandation est oui. Évidemment, et on le verra un petit peu plus tard, ça dépend de ce que sont les propos. Il faut pas une souci. Il faut regarder qu'est-ce qui est indiqué. Si un employé dit « ben écoutez, moi j'aime les politiques qui n'interdisent pas l'utilisation des technologies de l'information sans référer à l'employeur, sans dire chez qui elle est employée, puis sans dire que vous en avez une, puis que c'est donc épouvantable, mais que c'est vous qui êtes suffisamment perspicace pour vous douter qu'elle parle de vous, bien écoutez, ça, évidemment, non seulement ça ne serait pas matière à discipline, mais ça ne serait certainement pas matière à un retrait. Par contre, dans des cas comme on a là, c'est définitivement matière à un retrait et le défaut d'obtempérer à la demande de retirer va lui aussi être passible de discipline. Autre situation dont je souhaitais discuter avec vous, qui est un autre exemple, on se rappellera tous de la grève des étudiants, donc la grève étudiante de 2012, et on se remet dans cette période-là. Vous avez un de vos employés qui est par ailleurs un représentant du syndicat et qui insiste pour porter le carré rouge dans le cadre de ses fonctions, non pas syndicales en dehors du travail, mais comme commis de plancher. Vous lui demandez de rester neutre parce qu'il représente l'employeur dans le cadre de son emploi. Vous lui expliquez qu'il y a des plaintes de clients qui ont par ailleurs été transmises. Mais cet employé-là refuse. Et non seulement il refuse, mais je vous dirais, il renchérit, il s'obstine. Et il va publier des textes sur Facebook, sur une page de blog aussi, dans lesquels il affirme que vous brimez sa liberté d'expression et il invite même essentiellement le public, les clients, à vous transmettre des plaintes. Je vous fais un exemple de ce qui avait été notamment retrouvé sur les réseaux sociaux. L'employé disait « Je demande donc aux citoyens, aux clients, aux anciens employés et aux artistes de faire valoir votre opinion sur le site Internet de l'entreprise ou même de déposer une plainte formelle et écrite dans une succursale. Puisqu'une poignée de plaignants ont conduit à ce traitement radical de l'entreprise envers ses employés, qui était de ne pas porter le carré rouge suite notamment à des plaintes. J'ai gagé avec mon employeur qu'une centaine, voire un millier de plaignants les amèneraient à revenir sur leur décision. » À votre avis, est-ce que le droit à des opinions politiques permet un tel comportement?
La réponse est non. Dans cette affaire-là, l'employeur, c'était Librairie Renaud-Bray. Ça a même été maintenu en révision judiciaire par la Cour supérieure et on a confirmé la suspension et le congédiement. L'arbitre est venu nous dire que la liberté d'expression, ce n'est pas absolu. Et en principe, les employés ne doivent pas dénigrer leur employeur, mais ils doivent aussi faire preuve de retenue. Et un employeur est fondé à exiger que ses employés s'abstiennent de prendre des positions politiques sur les lieux de travail, avec les clients, en étant un représentant de l'entreprise. Dit autrement, c'est légitime d'exiger de la neutralité. Donc, ce n'est pas parce que le débat en cause n'implique pas l'employeur que l'employé a nécessairement le droit, sur les lieux du travail, d'exercer sa liberté d'expression et d'afficher le carré rouge, par exemple. Par contre, pardonnez-moi, l'arbitre va noter la pertinence de l'application généralisée et communiquée de la règle. Donc, dans la mesure où on exige que les employés n'adoptent pas de position pour ou contre à l'égard des sujets de politique, bien évidemment, il faut que les employés soient avisés et il faut également qu'on applique cette règle-là auprès de tous. Maintenant, les conseils pratiques sur les enquêtes et les surveillances. Évidemment, il faut se rappeler parce que là, on a des situations, comme je vous le dis, d'entrée de jeu, on a des situations où on va être informé de propos tenus, etc. Mais on a aussi l'objectif parfois en entreprise de vérifier l'utilisation qui est faite et de voir dans quelle mesure un employé passe réellement son temps à travailler ou passe son temps sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a le droit au respect de la vie privée, l'expectative de vie privée, le droit à des conditions de travail justes et raisonnables, qui sont autant d'éléments qui vont être considérés dans un contexte de surveillance. Historiquement, et on commence à avoir de la jurisprudence sur la surveillance de logiciels, mais historiquement, ce qu'on est venu dire, et je vous le disais d'emblée, quand on a une surveillance vidéo ou audio qui est constante, d'un employé, bien, on risque fort probablement d'être dans une circonstance de conditions de travail qui sont non pas justes, mais plutôt déraisonnables. Dans le contexte où on implante un outil de surveillance, il va falloir s'assurer qu'on n'est pas dans ce contexte-là, qu'on n'est pas dans un cas de situation déraisonnable. Et ça va passer par plusieurs éléments. Ça va passer par qui a accès à l'information que le logiciel obtient. Qu'est-ce qui est vérifié par le logiciel? Est-ce que nécessairement, là, le logiciel produit un rapport avec les noms de vos 2000 employés ou de vos 500 employés ou de vos 20 employés, avec exactement tous les sites qu'ils ont vérifiés, combien de temps qu'ils les ont vérifiés, puis à quelle heure qu'ils les ont vérifiés, auquel cas on commence à être dans une surveillance qui est assez importante? Ou est-ce que plutôt on est dans un cas de surveillance anonymisée, puis ce n'est que dans des cas majeurs que là on va aller vérifier qui est la personne problématique? Donc, c'est autant d'éléments qui vont être pris en compte pour déterminer si un logiciel de surveillance, puis on va regarder la plus récente décision en la matière, contrevient, oui ou non, à l'ensemble des droits qui sont indiqués ici. Première décision, je vous reviens avec la décision de la librairie Renaud-Bray Inc. Dans cette affaire-là, l'employeur avait découvert les publications de l'employé à l'aide d'un système d'alerte électronique. On le voit chez certaines entreprises, là, lorsque le nom de l'entreprise ou le nom d'un employé ou le nom, on peut le faire aussi là, des fois des alertes avec le nom d'un politicien ou autre, sort dans les nouvelles, sur les réseaux sociaux, etc. On a une petite alerte et on peut aller voir bon, ben, qu'est-ce qui est dit sur l'entreprise à ce niveau-là et par qui. Dans cette affaire-là, c'est un logiciel comme ça, un système d'alerte électronique comme ça qui était utilisé. Donc, on ne ciblait pas par ailleurs les employés comme tels. On ciblait toute source de commentaires sur les réseaux sociaux qui impliquaient Renaud-Bray pour pouvoir aller voir ce qui était dit et le cas échéant, évidemment, s'assurer de répondre ou de pouvoir corriger une information ou de pouvoir prendre une plainte s'il y avait une problématique. Donc, comme le système qui était utilisé par la direction ne visait pas un employé et ne faisait pas en sorte qu'on surveillait constamment les employés, le tribunal a estimé que ce système-là n'était pas en soi illégal et que la preuve qui avait été obtenue avec ce système-là n'était pas non plus une preuve qu'on devait déconsidérer.
Maintenant, dans la décision qui, à mon sens, est la décision la plus intéressante sur le sujet, mais qui malheureusement pour l'instant est en contrôle judiciaire, donc on ne sait pas encore là, si cette décision-là va faire office de loi dans l'avenir. C'est une décision qui implique la Ville de Montréal. Dans cette affaire-là, l'employeur Ville de Montréal avait implanté un logiciel de sécurité qui s'appelle Greylog. Et ça enregistre et ça produit au quotidien un journal des consultations des sites Internet pour tous les employés. Donc, 22 000 employés, si mon souvenir est bon. Et la preuve démontrait que le logiciel a été implanté à des fins de sécurité informatique, donc pour s'assurer qu'on n'est pas l'objet d'attaques informatiques, notamment pour s'assurer que les sites qui sont consultés ne créent pas des brèches. Évidemment, je suis loin d'être une experte en sécurité informatique, mais c'est ce qui avait été mis en preuve. Et aussi pour la protection des informations confidentielles. L'employeur avait toutefois également indiqué qu'il allait se servir de cette politique, de ce logiciel-là, pour identifier les contrevenants potentiels à sa politique concernant l'utilisation des technologies de l'information. Évidemment, il y avait une politique qui limitait le recours aux technologies de l'information et elle prévoyait aussi la politique que l'employeur était susceptible d'aller vérifier l'usage qui était fait des technologies de l'information. Quelques fois par année, parfois dans la décision, on parle de 4 fois par année, mais parfois on parle d'un petit peu plus, donc peut-être un petit bémol sur cet élément-là. L'employeur obtient un rapport des 50 plus grands utilisateurs. Et c'est là qu'il va vérifier essentiellement s'il y a des cas d'abus. Par contre, ce rapport-là des 50 plus grands utilisateurs est anonyme. Donc, tout ce qu'on a, c'est un code essentiellement d'ordinateur ou d'utilisateur, là, selon le cas, mais sans qu'on puisse savoir, bon, ben, le code 25-32-41, est-ce que c'est Maître Maud Grenier ou est-ce que c'est Caroline ou etc. On ne fait qu'obtenir le rapport d'utilisation. Et à partir de ça, toujours de manière anonyme, plusieurs vérifications croisées vont être effectuées, les heures de consultation, etc., pour retirer tout ce qui semble correct ou potentiellement correct et de s'assurer d'identifier uniquement les abus. Et en cas d'abus, et c'est ce qui avait été mis en preuve, là, on allait obtenir le nom qui était associé au numéro, au code d'utilisateur. Et là, on allait entamer une enquête sur l'utilisation qui est faite par cette personne-là. Donc, on n'a pas ici d'emblée, puis c'est ce que l'arbitre va retenir, on n'a pas une surveillance constante d'une personne ou d'un groupe de personnes, non plus dans le seul et unique but d'attraper tout le monde. On souhaite s'assurer de la sécurité informatique et ce n'est que de manière ancillaire que par ailleurs, quelques fois par année, on tente d'identifier s'il y a des abus dans le recours aux technologies de l'information. L'arbitre va rejeter le grief qui va être déposé par le syndicat pour indiquer que ce logiciel-là violait la charte conditions de travail déraisonnables ou encore atteinte déraisonnable à la vie privée. L'arbitre va nous dire que la surveillance en l'espèce, ce n'est pas une surveillance continue des moindres gestes, comme je viens de vous le dire. Elle va aussi tenir beaucoup en compte le fait que les données qui sont recueillies sont anonymisées. Donc, ce n'est que lorsque le rapport fait état d'une utilisation déraisonnable que là, on va finir, après une vérification croisée, par peut-être déterminer qu'on a un risque d'abus manifeste et là, aller obtenir l'information quant à l'identité de l'utilisateur. On disait aussi que le logiciel ne donnait pas d'informations sur le détail de la consultation Internet ni sa durée. Ce n'est que les sujets puis la quantité de consultations qui allaient ressortir. Et aussi, ce n'est pas tous les sujets qui ressortaient, c'est-à-dire que ce n'est que pas des mots-clés, mais les sites qui concernaient, par exemple, les voyages, les réseaux sociaux, etc., qui, pardonnez-moi, for lack of a better word, qui popaient ou qui étaient, qui ressortaient par le logiciel pour voir s'il y avait de l'abus ou pas. L'arbitre va nous dire « La navigation sur Internet, ce n'est pas un droit acquis aux employés. » Les données analysées ne font pas partie de la sphère privée de l'employé. Elles s'apparentent à une compilation de données relatives à l'utilisation des biens de l'employeur. Le recours au rapport des plus grands utilisateurs est par ailleurs raisonnable. L'employeur a le droit de vérifier l'utilisation. Et en l'espèce, la vérification est d'abord anonyme. Ce ne sont que les codes d'abus qui mènent à l'identification de la personne visée. Pour l'arbitre, ça fait en sorte que le grief doit être rejeté et qu'il n'y a pas de violation aux droits des employés.
Comme je vous l'ai indiqué, cette décision-là est maintenant en révision judiciaire. Ce sera donc extrêmement intéressant d'avoir la décision finale de la Cour supérieure ou des tribunaux d'appel par la suite. Qu'est-ce qu'on doit retenir pour implanter des outils de surveillance technologique au Québec, à tout le moins à la lumière de cette décision-là? On vous recommande fortement de documenter les motifs justifiant la mise en place de vos outils. Hein? Pourquoi on fait ça? Enjeux de sécurité, de confidentialité, est-ce que c'est exigé par votre industrie? Dans la mesure où vous ne souhaitez que surveiller vos employés, vous allez avoir une problématique. Bien que l'arbitre là, soit généreuse à mon sens, puis nous indique que l'employeur a le droit de s'assurer que les employés le font, qu'ils recourent aux technologies de l'information de manière conforme, il n'en demeure pas moins que si on faisait constamment les épier, puis chaque jour vérifier, uniquement pour voir ce qu'ils font, ce serait davantage problématique, puis je ne suis pas sûre qu'elle aurait rendu une décision comme ça. On dit faire affaire avec un partenaire externe spécialisé pour procéder au projet d'implantation. Évidemment, tout dépendant de la grosseur de votre organisation, il est manifeste que plus on va avoir, comme c'était le cas dans la ville de Montréal, mais on parle évidemment de 22 000 employés, là, plus on va avoir un processus qui est, entre guillemets, implanté par des experts, plus on va avoir de la facilité à défendre devant l'arbitre comment ça a été fait, c'est quoi les étapes qui ont été utilisées, etc. On a indiqué bien circonscrire vos intérêts légitimés et vous assurer de baliser l'accès aux informations obtenues portant sur vos salariés. Bien, là, on revient à anonymiser, s'assurer que ce n'est pas tout le monde qui a accès, que c'est juste un groupe extrêmement précis, s'assurer que ces personnes-là ne peuvent pas les transmettre ces informations-là à des tiers ou encore juste dans des situations extrêmement spécifiques, etc. Communiquez aussi votre projet d'implantation à vos salariés. Donc, ce logiciel-là ne devrait pas nécessairement être implanté en cachette. On devrait aviser les employés qu'on va recourir à ce logiciel-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Et évidemment, puis on y revient dans les prochaines diapositives, mais vos contrats d'emploi, vos politiques devraient prévoir, comme c'était le cas dans la ville de Montréal, votre droit de vérifier ce que les employés font avec les technologies de l'information. On termine maintenant, puis là, je regarde l'heure, on est toujours dans les temps, on est correct. On termine avec cette dernière portion-là sur les politiques d'entreprise, sur les réseaux sociaux, les technologies de l'information. La nécessité, les objectifs de l'adoption de cette politique-là, bien évidemment, c'est de baliser l'usage des technologies de l'information, donc à l'interne, hein, s'assurer que les employés comprennent, sont avisés, sont informés de l'étendue de l'usage qui est permis. Mais c'est aussi beaucoup aussi pour se protéger contre une poursuite reliée au comportement des salariés ou encore contre une atteinte à la réputation ou un manquement à l'obligation des employés sur Internet. J'ai eu dans les récents mois des propos racistes par un employé qui s'associait par ailleurs à son employeur, qui ont mené à plusieurs plaintes d'usagers de cette entreprise-là, venant dire, ben écoutez, cet employé-là, sur Twitter, dit des choses qui sont épouvantables et il s'affiche comme étant votre employé, slash, pour ainsi dire, comme si vous acceptiez ces propos-là. Donc, c'est évident que comme entreprise, on souhaite contrôler ces éléments-là, les éviter et les faire cesser lorsqu'ils surviennent. L'intérêt aussi de la politique d'entreprise est également de neutraliser l'expectative de vie privée des salariés, c'est-à-dire éviter que par la suite, ils puissent dire, ben écoutez, moi, je ne peux pas croire qu'on est en train de vérifier ce que je fais sur mon ordinateur, j'ai une vie privée, etc. Si on vient les aviser dans une politique qui est communiquée avec une formation et parfois on fait des rappels là, aux 2 ans sur la politique où on leur dit clairement qu'on va vérifier ce qu'ils font, c'est très difficile après ça de dire « je ne pensais pas qu'on vérifierait ce que je fais ». Ce que cette politique-là, pardonnez-moi, devrait contenir, évidemment, il y a une panoplie d'éléments, mais définitivement, le droit de propriété de l'employeur sur ce qui est utilisé. L'utilisation personnelle, une interdiction totale, bien honnêtement, ce n'est pas quelque chose que je recommande. Ça peut peut-être fonctionner dans des usines où on dit, vous laissez votre téléphone à l'entrée de l'usine, puis vous, dans votre casier, puis vous le reprenez après. C'est une chose, mais dans un emploi de bureau
classique, soutenir là, qu'on va pouvoir, comme je vous le disais en début de présentation, interdire totalement et appliquer cette interdiction-là, pour moi, c'est utopique. Et de toute façon, je ne pense pas que ça se prête dans notre où on est rendu en 2021 dans notre milieu. Pour moi, il y a un juste milieu et on peut prévoir une utilisation minimale, raisonnable, en dehors, t'sais, sur l'heure des repas. Il y a plein d'éléments qui peuvent intégrer pour que ce soit logique comme interdiction ou comme permission corrélative. Rappeler les obligations auprès de l'employé, hein, prestation, vous devez remplir votre temps, vous ne devez pas prendre votre temps de travail pour aller sur les réseaux sociaux, sur Internet. Devoir de loyauté, de confidentialité. De plus en plus, les politiques, ce n'est pas toutes celles que je révise ou celles que je vois, vont spécifiquement indiquer qu'on demande aux employés de ne pas tenir de propos désobligeants sur les réseaux sociaux. Puis, ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas mis dans votre politique que c'est permis, là. Ça, c'est très clair. Mais c'est un élément additionnel pour démontrer que l'employé est conscient là, de ses obligations. Donc, c'est des éléments que vous pouvez ne pas hésiter à indiquer, aussi d'indiquer que, dans le doute, l'employé devrait s'abstenir et ne devrait pas faire état de position politique associée à l'employeur. Évidemment, il peut dire ce qu'il veut dans la mesure où il ne s'associe pas à l'employeur, mais sinon, il ne devrait pas le faire. Évidemment, on va aussi parler là, de prévoir dans la politique les conséquences puis les sanctions en cas de non-respect. Il y a des politiques qui vont aller avec vraiment une espèce d'échelle. Si telle chose arrive, ça va être telle conséquence. Moi, je vous dirais que je suis une adepte de la, à moins d'exception, là, de plutôt d'aviser les employés que une violation de la politique est un manquement qui peut être passible d'une mesure disciplinaire qui peut aller jusqu'au congédiement, mais sans nécessairement associer une mesure spécifique. Sur ce, j'ai beaucoup parlé, comme on le fait, surtout depuis qu'on est en visioconférence pour les conférences, mais on a une courte période de questions, donc je vous invite évidemment à inclure dans le chat les questions qui me seront réacheminées. Merci beaucoup, Maître Grenier. Alors oui, on a déjà reçu justement des questions pour vous. Alors on va débuter avec la toute première. Un employé nous a mentionné écouter Netflix en travaillant de la maison et ce dernier nous a mentionné que ce n'est pas pire que d'écouter la radio en background. D'un point de vue légal, est-ce la même chose? Car du point de vue de concentration, il semblerait que ce soit un peu différent. À vous. Écoute, ça, j'aime beaucoup. Les employés sont toujours créatifs. Écoutez, à mon sens, ça demeure très différent. Là, si j'ai un écran avec un stimuli visuel qui fait en sorte que j'écoute ça, puis en même temps, je travaille, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas interdire à nos employés, évidemment, dans une politique, là, mais pendant qu'on travaille, on travaille. Puis, tu sais, écouter de la musique classique en background, tout pas fort, puis je comprends le parallèle, là, puis là, je réfléchis à haute voix avec vous, c'est juste plate qu'on ne soit pas dans une salle tous ensemble, puis qu'il y en a qui pourraient me dire ce qu'ils ont vécu, mais pour moi, c'est problématique. On peut pas, c'est pas la même chose, le parallèle n'est pas parfait, puis la question qu'on se poserait aussi, c'est est-ce que d'habitude, on permet à ces employés-là d'écouter de la musique au travail? Je pense par exemple aux adjointes, ne serait-ce que d'un point de vue purement personnel au travail. Je me souviens il y a quelques années d'une adjointe qui écoutait très, très, très pas fort la radio, mais finalement, ultimement, ça a été demandé de ne pas le faire parce que ça déconcentre non seulement elle, mais les gens autour d'elle. Mais même si on avait laissé la chose se faire, pour moi, il y a une extrêmement grosse différence. Je veux dire, j'écoute une émission de télévision à côté de moi. Puis là, j'imagine que l'employé va dire, ben non, je ferme l'écran puis je fais juste écouter audio. Mais quel est l'objectif d'écouter audio si on travaille? Comment on peut bien se concentrer? Moi, j'aurais tendance à demander à l'employé là, de confirmer qu'il va cesser cette pratique-là, surtout si on est capable par ailleurs de démontrer une certaine problématique de performance. Je ne vous dis pas de ne pas l'empêcher s'il n'y a pas de problématique de performance, mais encore plus, ça viendrait confirmer et donner des exemples à l'appui à cet employé-là.
Super, merci beaucoup. Effectivement, une très bonne question. On en a une autre. Un employé indique simplement sur Facebook qu'il est contre toutes les politiques de vaccination obligatoire. Or, notre organisation a été obligée d'implanter une telle politique en vertu de la loi. Que faire? Est-ce un comportement fautif? Ça, c'est pour moi, la réponse est non, parce qu'on est dans la mince ligne. On est dans la mince ligne de la liberté d'expression. L'employé ne réfère pas à son employeur dans cet exemple-là. Il n'y a pas de danger à ce niveau-là. L'employé a le droit d'indiquer que lui, il est contre. Maintenant, c'est un peu comme l'exemple que j'avais donné un peu plus tôt. Le représentant RH va se douter fortement que c'est une réplique ou c'est en lien avec l'imposition de la politique qui vient d'être faite. Mais dans la mesure où ça se limite à ça, moi, je ne prendrai pas action. Parfait, merci. On en a un autre pour vous. Alors, comment pouvons-nous agir en tant qu'employeur si nous sommes informés qu'un employé s'amuse alors qu'il est en congé de maladie? Pouvons-nous utiliser les publications, photos qui sont publiées sur son Facebook, j'imagine personnel? Nos employés ont accès au Facebook de l'employé en question. La réponse est oui, vous pouvez. Mais ma réponse va donner quelques éléments de piste de réflexion. Il faut toujours faire attention sur le motif de maladie. Puis quand je vous donne cet exemple-là, c'est que moi, il y a une distinction entre Roger est en arrêt de travail complet, on a eu un refus d'assignation temporaire. Puis là, je vous donne un exemple de lésion professionnelle, mais bon, on pourrait être dans une autre circonstance aussi. Il peut même pas, selon son médecin, là, soulever un crayon. Sur Facebook, il vient d'aller à la chasse, puis c'est typique, là, je suis sûre que plusieurs d'entre vous souriez en ce moment, mais on vient de voir qu'il est à la chasse, puis sur la vidéo puis les photos qu'il a mis, puis que d'autres nous ont rapporté, bien, il n'y en a pas de problème à bouger, puis à soulever son boc, puis etc. Absolument, non seulement vous allez pouvoir les utiliser, mais vous allez pouvoir faire quelque chose avec. Par contre, il faut se rappeler que lorsqu'on a un arrêt de travail psychologique, le fait qu'un employé fasse du yoga, ce n'est pas nécessairement contre-indiqué. Le fait qu'un employé fasse un souper d'amis, ce n'est pas nécessairement contre-indiqué non plus. Donc, l'élément déclencheur, le fait que vous obtenez des photos, des impressions d'écran de ces publications-là pendant le congé de maladie, peut vous amener essentiellement à vous poser la question, est-ce que ce qui est fait là est susceptible d'être contraire à l'état de santé de cet employé-là. Et si vous estimez que c'est le cas, bien, vous pouvez, par ailleurs, puis c'est le bon vieux, entre guillemets, le bon vieux truc, là, aller confirmer auprès d'un médecin en disant, bien, voici l'état de la nation, voici les limitations que son médecin traitant m'indique, voici ce qu'on constate sur Facebook qui est concomitant. À votre avis, est-ce que c'est compatible avec son état de santé ou non? Et dans la mesure où la réponse est non, bien, on rencontre le travailleur, on obtient sa version des faits, puis au besoin, on impose une mesure disciplinaire. Mais il y a tout un chemin entre cet élément-là déclencheur, puis je répète, oui, vous pouvez l'utiliser, mais la question est de l'utiliser à quoi et dans quelles circonstances. Puis tu sais, je vous donnerai un exemple, si on vous a envoyé cette délation-là ou cette preuve-là, mais que on est encore en arrêt de travail, mais ça s'est passé il y a 2 mois. Mais là, l'employé, là, elle va retourner voir ou il va retourner voir son médecin la semaine prochaine. Mais si la semaine prochaine, le médecin dit « Oh mon Dieu, elle va donc bien mieux, puis maintenant, je vais commencer un retour progressif », bien, ça va être très difficile de démontrer nécessairement que c'était pas correct, là, 2 mois. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu de suivi à ce moment-là? Donc, il faut vraiment aller voir l'ensemble du dossier avant de prendre une mesure. Mais quand c'est concomitant, puis qu'on est censé être couché, alité, mais que pourtant on danse la samba, bien là, définitivement, non seulement vous allez les utiliser, mais vous allez agir sur ces photos-là. Parfait, merci beaucoup. Et dernière question pour vous. Si l'employeur a des doutes raisonnables de croire que l'employé regarde des films sur son cellulaire avec des écouteurs, est-ce légal d'utiliser un logiciel de surveillance pour confirmer les doutes avant de rencontrer l'employé? En fait, la problématique du doute raisonnable, puis il y a différentes décisions, mais c'est la nature du doute raisonnable. Puis il y a des décisions qui ont été
Puis il y a une décision qui est récemment sortie de la Cour d'appel, puis je ne m'en cacherai pas. Je pense qu'elle est sortie la semaine passée, puis je n'ai pas encore eu le temps de la lire, qui était exactement sur cette question-là, sur la question des motifs raisonnables, parce qu'il y a eu une tendance jurisprudentielle qui est allée jusqu'à dire qu'on devrait, pour que le doute soit raisonnable, il faudrait quasiment qu'on questionne l'employé avant de faire une certaine surveillance ou de faire une certaine vérification. Évidemment, dans certains cas, c'est faisable, là, mais dans d'autres cas, on va un peu dire, on va un peu s'auto-tirer dans le pied si on dit à l'employé, ben écoute, j'ai des doutes que, est-ce que c'est vrai? Ben là, l'employé va vous dire non. Puis, ultimement, quand vous allez checker, ben vous allez l'avoir allumé sur la question, fait qu'il vérifiera pas. Par contre, le doute raisonnable devrait être plus que, ben, il me semble que travaille pas fort de ce temps-ci. Il faut que vous ayez des éléments sérieux. Le soupçon, la rumeur, et à mon sens, c'est très risqué et c'est fort probablement pas suffisant.